We can start now for the afternoon session. My name is Bruno Wissrat. I'm professor of psychiatry at the University of Bordeaux, and I am head of the Expert Center for the Recent Depression. We were together with Mario on treatment to recent depressed patient. And I am deputy director of the Neutrino Law Lab, in fact, examining the relationship between nutrition, brain and mental health, especially cognitive decline and major depression treatment resistance. And unfortunately, Xavier Ferramonti will not be with us today for the first presentation, what the food to choose for a better mental health. Xavier Ferramonti is a researcher at INRA in our laboratory. He's high level expertise in the relationship between brain insulin receptors, serotonin function, and emotional behavior mouse model. And together with Sophie Laillé, he co-leads the research team NutriMI, examining the link between nutrients, brain, and cognitive function. And Marion, we have together the heavy task to replace Xavier for his presentation. French, Marion, and perhaps I can, after the presentation, I can emphasize the key point of the presentation for an English colleague, an Australian colleague. Okay. That would be nice for you, I think. Well, thank you very much. So this afternoon is devoted to practical information about the links between diet and mental health. So we have had a summary of scientific information and education purposes this morning, and we're going this afternoon to describe with several talks very practical elements. So we were supposed to speak about sugar and its impact on the brain and health. So we're going to do our very best to describe the slides that you sent us yesterday night, basically. I'm sure you're going to be interested. Unfortunately, the slides are in French, but we're going to describe and summarize things I'm sure you're going to follow. So as you can see, I am not Xavier Ferramonti, and as Bruno just said, so he's a specialist of the effect of sugar on the brain, and this is going to be the first talk of this afternoon. So very briefly, eating has different impacts on pleasure, on social and cultural relationships. Should I do it in English or in French? Majority of people are English speaking. Français? Français, perhaps. You don't mind? Okay. Bon, alors je fais en français. Donc, l'idée de pourquoi mange-t-on, c'est parce que ça a une fonction de affectif, de plaisir et de récompense, parce que ça fait partie des relations sociales et que ça a un impact sur le plan socioculturel. Et bien sûr, parce que ça a des fonctions biologiques, c'est que manger, c'est une source d'énergie. Et donc, manger est nécessaire pour couvrir nos besoins biologiques et énergétiques. Et en plus, quand on mange, on envoie un certain nombre de signaux qui permettent d'arrêter la prise alimentaire. Donc c'est aussi des signaux stop qui sont produits à la suite de l'alimentation. Et bien sûr, l'alimentation, on l'a beaucoup entendu ce matin, a un rôle extrêmement important sur notre santé, à la fois sur le plan de la prévention et des aspects pris en charge. C'est ce qu'on a entendu ce matin, par exemple, sur la dépression. Alors, on estime que la consommation moyenne d'une femme, c'est 2000 kcal par jour, c'est 2500 kcal par jour pour un homme, et les différentes rations alimentaires sont composées pour 50 à 60% de glucides, de 30 à 35% de lipides et de 10 à 15% de protéines, et on estime qu'il y a un besoin de 40 à 45 grammes par jour de fibres. On sait aussi aujourd'hui que la nutrition a un rôle extrêmement important sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement cognitif. On sait que la mémoire diminue avec l'âge, avec cette courbe qui vous montre le déclin cognitif. Et on sait que le déclin cognitif, il peut être réussi, en gros physiologique, et qui peut être accéléré quand il y a des pathologies neurodégénératives,
comme les différentes formes de démence. Et on sait aussi de mieux en mieux que l'alimentation a un rôle extrêmement important sur un déclin cognitif réussi et un déclin cognitif perturbé, et en particulier le régime méditerranéen, dont on a aussi beaucoup parlé pour son impact à la fois préventif et thérapeutique dans les troubles de l'humeur, par exemple, a aussi un rôle très important dans la prévention et la diminution du risque de développer des troubles cognitifs. On estime que quelqu'un qui suit un régime méditerranéen diminue de 21% son risque de développer des troubles cognitifs avec l'âge, et de 40 à 50% le risque de développer une démence ou une maladie d'Alzheimer. Alors, quels sont les bons aliments pour le cerveau? C'est exactement ce qu'on s'est dit ce matin. Donc, toujours pareil, il y a une notion de santé globale, il y a une notion de tout ce qui est alimentation qui est bonne pour le cerveau d'une façon générale. Donc, c'est tout ce qui est alimentation. Vous voyez, il y a une pyramide inversée. Donc, en bas, c'est ce qui est le meilleur pour le cerveau. Donc, les fruits, les légumes, les céréales, l'huile d'olive, les fèves, les noix, les légumineuses, les graines, les herbes et les épices. Vous en avez abondamment entendu parler ce matin. Les poissons et les fruits de mer, les laitages, et beaucoup moins, et tout en haut, les sucreries et les viandes. Et puis, bien sûr, tout ça va de pair avec une activité physique régulière. Et cette diapo insiste beaucoup en particulier sur la consommation des oméga-3 qu'on trouve dans les poissons gras, dans les noix et dans l'huile d'olive, et les polyphénols qu'on trouve dans toute une série d'aliments, en particulier les fruits rouges. Toutes ces aliments ont un rôle extrêmement important comme effet anti-inflammatoire. Et vous savez qu'il y a des liens entre l'inflammation et les maladies mentales, mais aussi l'inflammation et les maladies neurodégénératives. Ça a aussi un rôle extrêmement important pour toute une série de maintien du fonctionnement vasculaire, la régulation des voies de signalisation, des effets épigénétiques, et puis les modifications du microbiome dont Joël Doré nous a beaucoup parlé ce matin. Alors, le souci ou le point aujourd'hui, c'est vraiment spécifiquement le lien entre les sucres et le cerveau. Et est-ce que quel sucre on consomme, quel sucre on doit consommer, est-ce qu'il y a des mauvais et des bons sucres, et est-ce que tous les sucres ont le même effet sur le cerveau? Alors, petit rappel de ce qu'on a appris sûrement à l'école. Donc, il y a un certain nombre de sucres simples qui sont le glucose, le galactose et le fructose. Il y a des disaccharides. Le saccharose est un dimère composé de glucose et de fructose. Le lactose qu'on trouve dans le lait est composé d'un dimère de glucose et de galactose. Et le maltose qu'on trouve dans la bière est composé d'un dimère de glucose. Et puis, il y a les sucres complexes qu'on trouve dans l'amidon, qui sont des molécules de trimères de glucose. Alors, où est-ce qu'on trouve les sucres qu'on consomme? Eh bien, on les trouve à la fois dans un certain nombre d'aliments ou de produits naturels qui ne sont donc pas transformés. On les trouve aussi, malheureusement, dans un certain nombre de produits transformés. Et c'est ces produits-là qui sont, entre guillemets, le mauvais sucre. Et vous allez voir à plusieurs reprises dans cette présentation à quel point on nous encourage à regarder avec précision ce qu'on trouve sur les étiquettes de ce qu'on mange. Et vous voyez aussi qu'il faut vraiment regarder de façon très précise, parce que c'est des terminologies différentes qui décrivent ces, entre guillemets, sucres transformés qui ne sont pas bons pour la santé. Donc vous avez en haut le sirop de glucose, qui en fait est du fructose. Ensuite, on a toute une série de termes, voilà, le sirop de sucre inverti, toute une série d'éléments qui en fait sont tous des synonymes ou des équivalents de sucre transformé qui ne sont pas bons pour la santé. Donc, il y a aussi toute une série d'études qui montrent le lien, donc très précisément, entre le glucose et son effet sur le cerveau, et qui ont été mesurées au cours de différentes études, par exemple en imagerie fonctionnelle, qui permettent de mesurer ce qui se passe au niveau du cerveau quand on mange du sucre. Et donc, premier impact, vous avez entendu parler tout à l'heure de l'hypothalamus, et on voit en haut que quand on met quelqu'un dans un appareil où il a une IRM fonctionnelle, on voit s'allumer, quand il prend du sucre, tous les circuits de la prise alimentaire, en particulier au niveau de l'hypothalamus, mais aussi, c'est la partie inférieure de la diapositive, l'allumage de tout le circuit de la récompense, donc le plaisir, l'envie, le bien-être, qui est corrélé avec l'activation d'un certain nombre de régions qui produisent des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, et qui probablement renforce l'envie ou le besoin de consommer du sucre. Alors, il y a différents types d'effets qu'on a pu décrire, qui sont à la fois l'impact de la consommation du sucre en aigu et l'impact de la consommation du sucre en chronique. Et donc, qu'est-ce qui se passe en aigu quand on vient de consommer du sucre? Il y a toute une série donc d'activations de ces voies qu'on vient de décrire. Ça va entraîner un arrêt de l'envie de manger, donc une réduction de la prise alimentaire. Et ça va aussi entraîner, alors, ce qu'on appelle des émotions positives. En gros,
c'est mesuré sur le plan du bien-être, et ça améliore là aussi à court terme la mémoire. Et il y a aussi toute une série de questions qui se posent sur l'addiction au sucre. Il y a un certain nombre de personnes qui ont tendance à dire qu'ils mangent du sucre parce qu'ils ont une addiction au sucre. Donc la question là qui est posée, c'est de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Est-ce qu'on a juste une appétence pour le sucre parce que c'est bon, ou bien est-ce qu'une fois qu'on a commencé à manger du sucre, on a le même phénomène qu'avec une addiction comme le tabac ou l'alcool ou la cocaïne? Et vous allez voir que la réponse est non. Donc petit rappel de ce que c'est que l'addiction. L'addiction, c'est une compulsion à consommer qui est guidée par une envie, avec trois types d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de parler d'addiction. La poursuite de la consommation malgré des conséquences sociales nuisibles, la tolérance, c'est-à-dire qu'on est obligé pour avoir le même effet d'augmenter la consommation, et puis la dépendance, c'est-à-dire que l'arrêt est difficile, il y a un effet de manque en absence de consommation. Et très clairement, dans le cas du sucre, il ne s'agit pas d'une addiction. Parce que donc ça a été démontré à la fois chez l'animal et chez l'homme. D'abord, il n'y a aucun effet de tolérance. C'est pas parce qu'on mange du sucre qu'on est obligé d'augmenter la consommation pour avoir le même effet. La dépendance n'est pas très étudiée. Et dans les études qui ont été faites chez l'animal, les rongeurs ne vont pas réclamer de sucre si on associe sa consommation à une stimulation négative. Alors qu'avec la cocaïne, c'est ce qui se passe. Ils vont continuer à réclamer de la cocaïne, même si c'est associé à un stimulus comme un choc électrique aversif. Donc clairement, il n'y a pas de preuve documentée qu'il y a une addiction au sucre. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de dépendance. Et on parle beaucoup plus d'habitude que de dépendance, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de dépendance et si c'est juste une habitude, on doit être capable de pouvoir modifier cette habitude. Et vous allez voir que c'est important de le faire. Parce que très clairement, les effets du sucre sur le cerveau à long terme sont pas très bons pour nos cerveaux. Alors, les conséquences d'une consommation chronique de sucre, c'est des effets plutôt négatifs, comme vous pouvez le voir. C'est des effets négatifs sur les émotions, mais aussi sur les troubles de l'humeur. C'est des effets négatifs sur la mémoire. Et c'est aussi des effets négatifs sur notre sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on consomme du sucre de façon chronique? Il y a un impact sur le métabolisme, et c'est aussi à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Il y a un effet pro-inflammatoire. Vous avez beaucoup entendu parler d'inflammation ce matin. Donc vous savez que l'inflammation, à la fois au niveau cérébral et au niveau systémique, fait le lit des maladies mentales et aussi des maladies neurodégénératives. Et puis ça entraîne aussi un stress oxydatif. Et puis ça entraîne, on l'a rappelé ce matin, et Joël Doré l'a rappelé ce matin, ça entraîne une modification de notre flore intestinale. Donc, tous ces éléments ont conduit l'ANSES à faire des recommandations sur la consommation de sucre, à la fois la consommation de sucre ajouté et la consommation de sucre qui sont naturellement présents. Donc, les sucres, ils sont présents soit sous forme de donc, sucre ajouté, quand on rajoute du sucre dans son café, comme vous n'avez sûrement pas fait dans le bon café qu'on vous a servi tout à l'heure, mais aussi dans le sirop de glucose ou dans le miel. Et puis, on trouve des sucres naturellement présents dans les fruits et les légumes. Et c'est le meilleur sucre qui existe, puisqu'il est associé à la fois à des vitamines, mais aussi à des fibres. Et puis, dans les jus de fruits et dans les produits laitiers. Alors aujourd'hui, les recommandations pour la consommation de sucre sont décrites là. Pour un adulte, il faut consommer 100 grammes maximum par jour. Pour un jeune de 8 à 12 ans, 75 grammes. Et pour un enfant de 4 à 7 ans, 60 grammes. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans ces 100 grammes, il faut consommer maximum 50 grammes de fructose. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important, parce que vous allez voir que c'est surtout le fructose qui entraîne des effets délétères sur notre cerveau. Alors, où est-ce qu'on trouve ce fructose? Quel est son impact sur la santé cérébrale? Et est-ce qu'on sait combien de quantité on en consomme? Alors, premier point, où est-ce qu'on trouve le fructose? Vous voyez là un petit tableau qui vous décrit la quantité de fructose qu'il y a à la fois dans les fruits, mais aussi dans les boissons sucrées, dans les sodas et dans les compotes. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de plus de fructose pas dans les fruits naturels. Donc on voit le ratio fructose sur glucose qui s'affiche à côté, et dans tout ce qui est jus de fruits et compotes, il y a une augmentation très importante de ce ratio fructose-glucose qui n'est pas bon pour notre cerveau. Le problème, c'est ce high fructose corn syrup qui a été fabriqué par les industriels
depuis quelques années, parce qu'il était moins cher à fabriquer que d'extraire le sucre, parce qu'il avait toute une série de propriétés qui sont décrites là, le moelleux, le volume, la brillance, l'antidessèchement et l'anticristallisation. Mais en fait, on s'est aperçu que ce high fructose corn syrup avait un impact très mauvais sur notre fonctionnement cérébral. Et malheureusement, c'est ce sirop qu'on trouve maintenant avec différents termes qui sont décrits là, dans toute une série de produits dits transformés. Et qu'il faut savoir lire, parce que c'est ce qui est écrit sur les étiquettes, et on ne sait pas toujours que tout ça, c'est des équivalents de sirop transformé. Sirop glucose, c'est du fructose. Sirop de glucose à haute teneur en fructose, la même chose. Sirop de maïs, c'est du glucose plus du fructose. L'amidon de maïs modifié, c'est du fructose. L'isoglucose, c'est du fructose. Le sirop de glucose inverti, c'est du sirop de fructose. Et le dextrose, c'est du glucose de synthèse. Et tout ça, c'est ce qui est dans les boîtes de gâteaux, dans toute une série de produits industriels qui ne sont pas bons pour notre fonctionnement cérébral. Alors, c'est aussi intéressant de regarder, et on ne le sait pas toujours, ça, c'est des données qui viennent des États-Unis, l'évolution de la consommation de fructose. Donc, on voit que la consommation de sucre total augmente progressivement depuis 1970 à 2006. Et en parallèle, on voit que si la consommation de sucrose a baissé, par contre, la consommation du HFCS, dont je parlais à l'instant, a augmenté. Et en parallèle avec cette augmentation, vous voyez l'augmentation de l'épidémie, entre guillemets, d'obésité aux États-Unis. Et Félicie Jacquat vous a donné tout à l'heure les chiffres extrêmement inquiétants d'enfants qui sont exposés à ce risque d'obésité. Vous voyez que ça corrèle très étroitement à la consommation et à l'augmentation de la consommation de fructose. Alors, quel est l'impact de la surconsommation de fructose? En fait, c'est extrêmement simple. Notre foie ne sait pas métaboliser le fructose. Et donc, comme il ne sait pas métaboliser le fructose, il va transformer ce fructose en lipides, d'où l'origine de ce qu'on appelle la stéatose hépatique, d'où les conséquences sur l'apparition d'un diabète insulino-dépendant, et d'où l'obésité, dont on sait à quel point elle produit de l'inflammation, et donc elle est extrêmement délétère pour notre fonctionnement cérébral. Et c'est à partir de ces données-là que les différentes règles qui nous ont été données sont d'avoir une alimentation qui ne comporte que maximum 50 grammes de fructose par jour. Alors, les effets du fructose sur le cerveau, ils sont de nouveau décrits à l'aide d'études qui ont été faites en imagerie cérébrale. Et quand on compare quand on compare à quelqu'un, on a donné soit du fructose, soit du glucose en imagerie cérébrale, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes régions du cerveau qui sont allumées. Mais surtout, on voit que la sensation de faim n'est pas du tout la même quand on consomme du fructose ou du glucose. Quand on consomme du glucose, la satiété et l'arrêt de l'envie de consommer est beaucoup plus rapide et importante, alors que quand on mange du fructose, on continue à avoir envie d'en manger. Donc, c'est peut-être pas ce que les industriels avaient identifié quand ils ont commencé à le fabriquer, mais c'est quand même un effet très délétère sur notre santé. Et la même chose à la fois chez l'homme donc, et chez l'animal, où on voit que quand on donne à un rat du fructose en bas et puis du glucose, vous voyez que la satiété n'est pas du tout la même et que le rat il va continuer à manger quand il a du fructose et pas quand il a du glucose. Donc c'est des données donc très inquiétantes, et en plus l'équipe de l'INRAE à Bordeaux a étudié l'impact sur nos neurones et en particulier sur un certain nombre de cellules du système nerveux central de la consommation de fructose, et ils ont observé que des cellules qui sont des cellules microgliales, qui sont les cellules de l'inflammation qui sont au niveau du système nerveux central, sont les seules de toutes les cellules qu'on a dans notre cerveau à avoir des récepteurs du transporteur de ce fructose qui s'appelle GLUT5 et qui est activé lorsqu'on consomme du fructose. Donc, et derrière tout ça, il y a toute une série d'études qui sont en cours et dont Xavier voulait aussi nous parler, je crois, aujourd'hui, mais tout n'est pas encore tout à fait analysé, qui montre que la consommation de fructose module la neuroinflammation et vraisemblablement l'augmente, et également la consommation de fructose probablement impacte la survenue de troubles de l'humeur, et de troubles cognitifs directement ou indirectement. Indirectement, probablement par l'intermédiaire de cette neuroinflammation qu'il induit, et peut-être aussi directement, c'est des recherches qui sont en cours au laboratoire, à l'INRAE, à Bordeaux.
Alors, quelle quantité de fructose on consomme? Et ça, c'est une diapo de ce que la plupart d'entre nous en France consommons pour notre petit déjeuner, quand on pense qu'on prend un petit déjeuner bon pour la santé. Et vous allez voir que ce n'est pas si bon que ça, puisque ce petit déjeuner, où il y a quoi? Il y a un café, du pain de mie avec de la confiture, un laitage. Eh bien, il est extrêmement en fait riche en fructose. Je crois qu'on a les chiffres après qui viennent. Voilà, donc dans le pain de mie, il y a 3 grammes de fructose. Dans le yaourt, et en particulier les yaourts qui sont enrichis en confiture ou en trucs sucrés, il y a 10 grammes de fructose. Dans la confiture, il y a 9 grammes de fructose. Dans les fruits, il y a 3 grammes de fructose. Et dans les bananes ou les autres fruits, il y a du fructose, mais c'est du fructose qui fait partie de ce qu'on peut consommer. Donc ça veut dire qu'avec un petit déjeuner de ce type, on a plus de la moitié de ce qu'on devrait consommer par jour, puisque ça équivaut à 30 grammes de fructose juste pour le petit déjeuner. Alors, est-ce qu'on suit les recommandations alimentaires? La réponse est, en France en tout cas, la réponse est non, puisque les adultes, semble-t-il, respectent à peu près les 100 grammes par jour de sucre, mais très clairement, les enfants ne les suivent pas du tout, et très probablement aussi que cette histoire de 50 grammes de fructose, dont on commence à connaître vraiment bien l'impact délétère sur le cerveau, n'est pas... suivi avec précision, parce que c'est compliqué d'identifier si on ne fait pas très attention et qu'on ne lit pas les étiquettes avec précision. C'est pas sûr qu'on soit capable de voir ce qu'on consomme comme fructose. Alors, comment réduire la consommation de sucre et en particulier de fructose? Et sur cette photo, vous voyez qu'il y a toute une série d'aliments dont on sait qu'ils sont extrêmement riches en fructose. Alors, je pense que c'est évident pour nous tous dans les produits, c'est tous des produits transformés, que ce soit les confitures, le ketchup, le Nutella, etc., ou le pain de mie. C'était peut-être moins évident, en tout cas pour moi, quand j'ai vu cette diapo, pour les aliments, entre guillemets, japonais, qui comportent en fait énormément de fructose, parce que le riz qui est autour de substances oméga-3, qui a priori sont bons pour la santé, neutralise ou inverse même l'élément bon pour la santé. Donc c'est pas parce qu'on mange ces petites choses en haut à gauche qu'on mange des choses qui sont bonnes pour la santé, parce qu'il y a plein de riz qui a plein de produits qui sont avec du fructose et qui sont pas bons du tout pour la santé, mais encore faut-il le savoir. Alors pour conclure, comment réduire la consommation de sucre? En fait, c'est tout le programme national nutrition santé qui résume tout ce qu'on vous a dit ce matin. Donc il faut très clairement, bien sûr, augmenter l'activité physique et diminuer la sédentarité et continuer à bien manger, ce qu'on n'a pas arrêté de vous expliquer ce matin. Maintenant, je pense que vous savez tout. Donc, il faut manger des légumineuses, il faut manger des fruits et des légumes frais surgelés ou aux conserves, il faut manger des fruits à coque, faire de l'activité physique, il faut privilégier le fait maison, parce que dans les gâteaux, par exemple, on peut faire attention à quel type de sucre on va mettre dans un gâteau et faire attention aux produits qu'on va utiliser. Il faut aller vers le pain complet, les pâtes, le riz complet, la semoule complète. Il faut aller vers les aliments de saison et les produits fabriqués localement. Il faut augmenter la consommation de poissons gras et de poissons maigres. Il faut privilégier le bio. Il faut privilégier l'huile de colza, de noix et d'olive. Il faut privilégier les produits laitiers. Et il faut réduire la charcuterie, les produits sucrés, gras et salés. L'alcool, la viande, et puis réduire ce que je ne fais pas, sauf depuis que je vous parle, le temps passé assis. Tout ça est évidemment des choses qu'on aimerait bien faire tous. Et voilà, donc après ces bonnes résolutions que vous avez tous prises, on est, je pense, Bruno et moi, à votre disposition peut-être pendant 5 minutes pour répondre à vos questions, ou essayer, parce que ce n'est pas notre spécialité, mais moi j'ai appris beaucoup de choses en fait en vous racontant tout ça. Perhaps, Marion, I would propose to highlight the key point for our colleague. Well, I'm sure that everyone knows everything that we have described, no? That's fine, or? Do you want a summary? That's fine. Okay, good. Okay. But maybe we can have questions in English, maybe. Oui. Bonjour, Caroline Baplas, âme qui vive. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des études sur une différence entre le fructose obtenu par transformation et le fructose, en fait, naturel, tel qu'il y a dans les fruits? Absolument. En fait, sur l'impact. Oui, alors, de nouveau, ce n'est pas mon domaine, mais la réponse est oui, parce que le fructose qui est dans les fruits, en plus du fructose sucre, il y a des fibres et il y a des vitamines. Donc, les fibres améliorent son assimilation et les vitamines sont bonnes pour la santé. Donc, j'ai pas voulu dire ou j'ai pas voulu transmettre le message de Xavier en disant qu'il fallait pas manger de fructose, mais il faut manger du fructose venant des fruits et pas des produits transformés. Merci. J'avais une question par rapport à la consommation maximale conseillée par jour de sucre.
Moi, j'avais vu que l'OMS communiquait plutôt 25 grammes par jour. Est-ce que c'est du coup 25 grammes de sucre ajouté et 100 grammes de sucre au global, c'est-à-dire y compris dans les fruits? Ou comme, qu'est-ce que c'est, quoi? Et à la fois, c'est l'ensemble des sucres consommés. Donc, c'est aussi les sucres ajoutés, c'est tout ça. C'est vraiment 100 grammes au total. Et 25 grammes, vous aviez entendu ce chiffre-là ou auparavant? Il ne me semble pas, mais voilà. Vraiment, l'élément essentiel, c'est vraiment les 100 grammes incluant tous les sucres. OK, merci. Voilà.